Bonjour Catherine Graville, vous êtes journaliste et auteure dont le dernier ouvrage paru est Les gloires du judo français. Bonjour Pierre Garçon, vous êtes médecin chirurgien orthopédiste, vous êtes le référent de la VGA Omnisport et vous-même ceinture noire. Alors Catherine, un petit mot sur votre ouvrage. Alors mon ouvrage donc c'est Les gloires du judo français. J'ai voulu démontrer à travers le portrait de 12 grands judokas l'histoire du judo français. Voilà, je pense que c'est un condensé, mon livre est un condensé à travers ces 12 portraits de l'histoire du judo français. Alors, Pierre, visiblement, Pierre Garçon, puisque ce n'est pas un livre technique, vous qui êtes un technicien du judo également, dites-nous un petit mot sur la technique du judo et sur ses implications sur la santé. Alors, le judo est un sport très technique, mais ce n'est pas qu'un sport. Je le considère vraiment comme une école de vie. C'est comme cela que le fondateur, Jigoro Kano, avait conçu son projet. Et donc, c'est même au départ un moyen d'éducation. Et avec l'évolution des choses, c'est devenu un sport, c'est devenu un sport olympique et le sport que l'on connaît maintenant. La partie technique, c'est une petite partie du judo. Et le grade de judo définit trois valeurs: technique, morale et physique, qui évoluent au fil de temps. Au fil du temps, quand on est jeune, on n'est pas très physique, et puis en grandissant, on se renforce. La technique, elle, se développe aussi, et la partie morale, se développe toute la vie, alors que le physique s'atténue avec les années. Dans tous les cas, c'est un sport qui est un moyen d'éducation formidable, un lien social entre les participants et un développement extraordinaire de la personne. Alors moi je ne peux qu'approuver ce que vient de dire Pierre Garçon, puisque c'est ce que disent à travers toutes ces pages mes 12 judokas. Il a parfaitement résumé la pensée du judo. Eh bien, merci Catherine Graville. Pierre Garçon, pour conclure, dans son ouvrage, Catherine Graville a soumis les judokas au questionnaire de Proust et au questionnaire de Pivot. Je ne vais pas vous y soumettre, mais je vous poserai une seule question. Quel est votre mouvement favori et pourquoi? Alors, on parle de spécial en judo, mouvement spécial. Chaque judoka doit avoir un spécial autour duquel il va articuler toute sa pratique. Et pour moi, c'est Uchimata. C'est un mouvement assez courant, efficace, que j'apprécie parce que je trouve très joli, très, très spectaculaire. Et en plus, parce que j'ai réussi un jour à le faire sur mes professeurs, et ça a été pour moi un déclic, et depuis, c'est devenu mon spécial. Eh bien, merci Pierre Garçon d'avoir souligné également l'aspect chorégraphique du judo que Catherine Graville évoque aussi dans son ouvrage. Oui, mais sans rentrer dans les termes techniques. Moi, je le dis bien, ce sont des portraits. Mais Voilà, oui. et c'est pas un procès-verbal non plus des victoires, des défaites, c'est un destin, parce que chacun de ces hommes, maintenant avec le recul, a un destin. Et un destin, et tous ces personnages couvrent une certaine époque du judo. Donc ça part d'Henri Courtine, et ça va jusqu'à le plus jeune, je crois que c'est Thierry Rey ou Tchouloulian, ou non, Fabien Canu, qui d'ailleurs est de Saint-Maur. Eh bien, nous souhaitons le meilleur destin à votre ouvrage, Catherine Graville. Merci, Pierre Garçon. Merci. Parce que voilà. Merci.